La longueur du bloc de départ est de 1 5 6 d'unité. Alors ça, ça veut dire 1 et 5 6 d'unité. C'est une notation anglo-saxonne. 1 et 5 6 d'unité, c'est la longueur de ce bloc de départ qui est là. Alors, utilisez les deux curseurs ci-dessous pour obtenir les blocs d'arrivée qui mesurent 4 tiers et 1 et 1 6 Ça, c'est 1 et 1 6 unité de long. Le bloc témoin permet de visualiser le résultat avant de valider la réponse. Alors les, les curseurs dont on parle ici, c'est ces deux-là. On peut couper le bloc de départ en un certain nombre de morceaux, hein, plus ou moins. Euh, là, on ajuste le nombre de, de, de morceaux qu'on peut faire avec le bloc de départ qui est là. Ensuite, on peut copier le bloc témoin. Donc ça, ça va se répercuter sur le bloc témoin. Là, tu vois, si j'ajoute, je coupe le bloc de départ en. Alors là, c'est de l'anglais qui est resté, hein, de la. De la qui n'a pas encore été traduit, un morceau. On peut couper le bloc de départ en un morceau. Là, si je le coupe, je l'ai coupé en deux morceaux, donc j'ai fait deux moitiés, et effectivement, ça se re repercute sur le bloc témoin, qui est une moitié. Alors ensuite, les deux autres outils, c'est qu'on peut copier le bloc témoin un certain nombre de fois. Donc le bloc témoin 1 qui est là, ou le bloc témoin 2 qui est là. Et l'idée, c'est qu'on doit trouver une, une manière de découper le bloc de départ pour pouvoir après reconstituer. Euh, complètement les deux blocs d'arrivée, le 1 qui est là en bleu et le 2 qui est là en orange. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver une, une manière de découper ce bloc là pour avoir un petit morceau qui va permettre de recouvrir ce bloc bleu et ce bloc orange. Voilà. Alors ici on a des fractions, hein. il y a 5 sixièmes, 4 tiers et puis 1 sixième. Donc on va déjà s'occuper de les mettre au même dénominateur. Hein. Donc le dénominateur commun Ça sera 6. Donc j'ai ici 1 et 5 sixièmes, là cette fraction-là, il faut la penser comme 8 sixièmes, et ça c'est 1 et 1 sixième. Alors maintenant, bon, on va donc parler de sixièmes. Ce qu'il qu faudrait faire, c'est arriver à, à découper ce, ce bloc de départ de manière à avoir un, des petits morceaux qui font 1 sixième. Alors pour ça... Bon évidemment, si le bloc de départ à mesure avait une longueur de 1 unité, il suffirait de le couper en 6 morceaux. Mais là, sa longueur, ce n'est pas 1 unité, c'est 1 unité et 5 sixièmes. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, une unité, c'est 6 six sixièmes, et il y a 5 sixièmes en plus. Donc là, en fait, il y a en tout 11 sixièmes. Ça, ça veut dire, quand on dit 1 et 5 sixièmes, c'est la même chose que 11 sixièmes. Donc si je veux avoir des morceaux qui font un sixième, il faut que je découpe le bloc de départ en 11 morceaux. Alors je vais faire comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Là j'ai découpé mon bloc de départ en 11 morceaux. Et maintenant je vais essayer de copier ce bloc témoin un certain nombre de fois pour avoir la même longueur que le bloc d'arrivée 1. Alors le bloc d'arrivée, sa longueur c'est 4 tiers, on a dit que ça faisait 8 sixièmes, donc il faut que je prenne 8 morceaux de 1 sixième. Donc je vais copier le bloc témoin 8 fois. 5, 6, 7. Là c'est encore de l'anglais qui est resté. Hein. 7 times, c'est 7 fois. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ai dit, c'est pas 7, hein, c'est 8 on a dit, puisque 4 tiers, c'est 8 sixièmes. Voilà, et donc là on voit que ça marche, hein. on a obtenu la même longueur que le bloc bleu. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la même chose avec le bloc d'arrivée. Donc on a ces, ces petits blocs témoins, ce petit bloc témoin 2 hein, qui vaut 1 sixième. Et il faut qu'on recouvre tout ça, toute cette longueur-là. Donc là, il faut qu'on arrive à déterminer quelle est la longueur. On nous dit que la longueur du bloc d'arrivée 2, c'est 1 et, et 1 sixième. 1 et 1 sixième, c'est 6 sixièmes et 1 sixième, donc c'est 7 sixièmes. La longueur du bloc d'arrivée 2, c'est 7 sixièmes, alors je vais devoir prendre 7 fois ce bloc témoin. C'est-à-dire 7 fois 1 sixième. 5, 6, 7. Et là, a priori, on voit que la longueur est la bonne. On va voir, on va vérifier la réponse. Voilà